Yo les gars, c'est ici, on se trouve pour une nouvelle petite vidéo. Je vais pas parler trop fort, c'est le matin. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va invoquer sur la bannière d'Harumé, donc le nouveau personnage de Danmachi. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est un petit jeu très sympathique, je vous conseille d'y jouer. Et donc, en ce moment, il y a un événement qui vient de sortir, il y a 1 heure. Bon, je l'ai déjà fini, je vais pas vous mytho. Enfin, après, il y aura peut-être d'autres trucs. Et il y a aussi, du coup, une boutique avec plein d'objets incroyables. Par contre, ils coûtent super cher les objets, je sais pas. J'espère qu'on va avoir des points plus facilement. En tout cas, du coup, les bannières, elles sont là. Donc, il y a la bannière normale où on va faire une invo dessus. D'ailleurs, je peux faire qu'une seule invocation. Ah ouais, je peux en faire qu'une seule. Je croyais que j'en avais deux. Ensuite, il y a celle-là de Ryu, mais je vous conseille de pas invoquer dessus parce que Ryu, en fait, elle est sur la bannière normale régulière. Regardez, elle est juste là. Gail Ryu. En gros, c'est juste que vous avez plus de chances de la voir. Donc, si jamais il y en a qui veulent Ryu, bah vous invoquez là au lieu d'invoquer là. Mais bon, ça sert à rien, je vous conseille pas. Par contre, Haruhime, elle est pas sur l'autre bannière, mais apparemment, elle est pas limitée et elle risque d'arriver sur la bannière normale. Donc, c'est un peu triste parce qu'il n'y a pas marqué nulle part qu'elle est limitée. Enfin, là, il y a marqué c'est une bannière limitée, mais c'est pas marqué que le personnage est limité. Donc, c'est juste là, Fox Spirit Haruhime, elle a 0,700% de tomber comparé à 67%, 0,67. Pour les cartes, alors, on a quoi comme carte? On a celle-là, je crois, Brilliance of Ranking Up. Et on en a une autre, c'est laquelle l'autre? Setfree? Non, c'est pas elle. Je sais plus, mais il y en a une deuxième qui est pas boostée en gros. Hop, je vous montre vite fait. Donc ça, c'est la carte qui est boostée. La deuxième carte n'est pas encore boostée. Et là, il y a Haruhime. Donc, on va déjà faire 10 invocations sur la bannière normale. Let's go. Ah, malheureusement, le Minotaur, il est pas rouge. Ça veut dire que c'est pas garanti d'avoir un UR. Là, on peut juste avoir... Bon, on peut avoir un UR, mais c'est pas garanti. C'est parti. Attention, attention. Oh! What the fuck? J'ai jamais vu ça de ma vie, les gars. What? Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est la première fois que je vois cette animation alors que je joue au jeu de fou. Ça veut peut-être dire qu'on a un truc de fou. Parce que pour moi, il y avait que le Minotaur. Ok, bref. Estia. Ok, I believe. Tiona, bon, je m'en fiche. Oh, let's go. C'est qui? Oh, let's go. Je suis trop heureux. C'est Estia. Ouais, je connais les textes par cœur. Putain, je suis trop heureux. Oh là là. Bon, malheureusement, je crois qu'elle est pas très forte. Mais par contre, elle est trop trop belle. Donc, let's go. Bon, en SR, on s'en fiche. Encore Tiona, on s'en fiche. Welf. Mikoto. Elle, on s'en fiche. Belle, et je crois que c'est fini. Oh là 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 là. Vous imaginez pas à quel point je suis content, vraiment. C'est l'un des personnages préférés du jeu. Bon, bah, let's go. Du coup, maintenant, on va passer à la bannière. De Haruhime. D'ailleurs, regardez, vous pouvez, en gros, au bout de 20 poules, parce que tous les 10 poules, vous avez... Non, enfin, tous les multi-invocations, en gros, vous avez 10 médailles. Et au bout de, du coup, 15 ou 20, vous pouvez avoir le perso ou la carte. La deuxième carte qui est dans la bannière qui vient d'arriver, elle n'est pas là-dedans, mais ils ont dit qu'elle sera aussi limitée bientôt. Donc vous pouvez l'avoir pour l'instant, je crois, mais pas pour l'instant. Enfin, je suis même pas sûr si vous pouvez l'avoir. Soit elle est pas dans le jeu, soit vous pouvez l'avoir, mais elle est pas, vous avez pas plus de chance. Ici, vous avez Ryu, que je conseille pas du tout, sauf si vous voulez vraiment le perso. Et ici, c'est la bannière régulière. Donc moi, j'ai déjà fait 40 poules dessus, mais c'est que des poules avec des tickets. Mes poules avec mes gemmes, je les garde pour plus tard. Donc c'est parti, les gars. D'ailleurs, les 10 tickets que je viens d'avoir sur Haruhime, c'est les tickets qui sont dans la boutique, juste là. Ouais, j'ai tout acheté, vous inquiétez pas. J'ai tout acheté, les gars, moi je suis un gros pigeon. Sauf ça, j'achète pas parce que, vas-y, c'est un peu la douille. Mais du coup, voilà, c'est ici, les gars, les 10 tickets. Et j'ai aussi acheté tout ça, enfin vraiment, le ralas. Attendez, on va récupérer ça. Hop. Parfait. Let's go. Hop. Bon, bah, c'est parti, les gars, on va invoquer. Pour de vrai, les gars, j'espère vraiment l'avoir. Mais je pense que je vais pas l'avoir. Je viens d'utiliser toute ma chance. Surtout qu'on a une seule invocation. Enfin, une multi. Parce que mes Célas, je vais les garder.
Donc, c'est impossible, mais vous savez quoi? Believe. Oh! Mais c'est la meilleure animation, je crois. Parce qu'il y a Minotaure rouge, et il y a aussi Minotaure rouge avec du texte bleu. Normalement, j'ai pas envie de me porter l'œil, mais je crois que c'est garanti un UR. J'ai pas envie de me porter l'œil. Mais maintenant, on espère que c'est Haruhime, si jamais j'ai un UR. Oh bah, alors là, j'ai la meilleure animation du temps. Minotaure rouge, plus les flammes, plus le texte bleu, plus Ice qui se ramène. Non, Ice, je suis trop pressé qu'elle arrive. Oh, c'est qui? Oh, let's go! Oh, let's go! Oh, Mais wesh, j'aurais pu faire une single en fait. Moi, je fais jamais de single sur les jeux. Putain, les gars, non. Oh, est-ce que je suis le mec le plus chanceux de la Terre? Bon, après, j'ai mis 10 euros pour avoir les tickets, mais je pense que ça veut rien dire. C'est vraiment, j'ai mis 10 balles pour avoir des tickets, mais ça veut pas dire que t'auras à ruiner. Elle est pas garantie. Oh, wesh, en un pool. Wesh, j'ai fait une single. Bah, incroyable. Ok, je vais compter 2, 3. Oh, les cartes SR, elles mettent 3 ans à arriver. T'as l'impression que c'est une animation. Ok, 4, 5, non, wesh, non, c'est l'autre. Oh, mais c'est la deuxième carte. Mais wesh, attends, mais c'est la nouvelle. Mais what the fuck. Mais wesh, je viens d'avoir les deux trucs de la bannière. En une multi. Plus à rouille mes SR. Mes frères. Mais alors là, la vie de ma mère, que merci le jeu. Mais alors là, mais je suis trop heureux. Alors attends, je vais regarder c'est laquelle. Donc j'ai eu 7 free, je sais pas quoi. Non, attends, comment elle s'appelle pour de vrai? 7 free from fate. Ok, alors attendez. 7 free from fate. Est-ce que c'est la bannière boosted? Vous voyez qu'elles sont tous les deux là. Alors 7 free from fate. Où est-ce que c'est? C'est une card. Send card. UR. Juste là. Alors. Brillance. Sister attack. Smith. Isle making truc. Machin. Non. Pourquoi je la vois pas? Ah, c'est là. 7 free from fate. Ok, donc c'est la nouvelle carte. Par contre, vous voyez que son taux est pas augmenté, donc 0,143. Par contre, la nouvelle carte, enfin les deux nouvelles, donc la deuxième, elle est augmentée de 1%. Bon, j'avoue que j'aurais préféré avoir la 1%, même si du coup j'ai eu plus de chance parce que j'ai eu celle qui était pas boostée, mais qui était nouvelle. J'ai pas eu la boostée, mais j'aurais préféré avoir l'autre parce que du coup, la boostée, elle sera là dans une semaine ou 2 semaines. D'ailleurs, je vais juste regarder un truc avant de finir cette vidéo. On va regarder les détails de la bannière régulière. Et voir s'il y a 7 free from fate. Non, vous voyez que 7 free from fate, elle n'y est pas. Donc, pour l'instant, Haruhime plus les deux cards sont pas encore sur la bannière régulière. Par contre, Ryu est sur la bannière régulière. Et la carte aussi, Lala, elle est pas sur la bannière régulière. C'est une carte seulement événement. Par contre, la carte à événement, est-ce qu'elle viendra sur la bannière régulière? Est-ce que Haruhime viendra sur la bannière régulière? On sait pas trop. Mais en attendant, j'ai eu ultra de chance parce que je voulais pas dépenser mes Célas, donc je suis trop heureux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, pensez au code créateur NCU sur tous les jeux vraiment. Allez, ciao!